conférence Emerald. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les journées 9 à 12 de conférence Emerald de l'eSport Football Challenge, eh bien, c'est tout de suite avec 11 minutes de bonheur. La peste face à XIV eSport, le contrôle de la poitrine et l'enchaînement. Pied gauche de Neiza, l'homme en forme de XIV, 5 buts et 4 passes en 12 matchs pour le manager de XIV eSport. Il mène 1-0 face à la peste scapulaire. À 45e minute et on pousse toujours chez les Bleus. Mais ce sont les Blancs de XIV qui ont failli doubler le score avec cette frappe contrée par Wissam. Boest à la 63e minute. Wijnaldum pour Tonio. Le ballon est contré. On va la récupérer côté Pest avec Pepe Vargas, le grand Pepe, meilleur passeur du championnat, qui va trouver le centre pour Twitz. De Bruyne, 10, qui la met à côté, 1-0, toujours pour XIV, on joue la 70e minute de jeu, et Boest qui parvient à trouver un énorme cafouillage, et au bout de ce cafouillage, c'est le 16e but de De Bruyne, déjà deux fois Team of the Week sur les deux premières semaines, 16 buts en 12 matchs pour le Belge. On va jouer la 90e minute, et la peste qui, dans son Pest Time, qui va peut-être réussir à empocher les 3 points. C'est Boest qui va trouver position de frappe de centre. Le centre, la frappe de De Bruyne, non, la frappe de Boest qui est contrée. Et finalement, c'est XIV et la peste qui vont repartir 2 à 2, un but partout. Les résultats avec la victoire des anciens face à Bestou, le nul entre Restart et la Neox, Osmos Wanted qui perd face à Obsession, Ubitim qui bat la Orc, Samcro qui bat Poyos, et Invictus qui cartonne le FC Nyx 5 buts à 1. Conférence Emerald. Journée 10, Obsession Gaming face à Ubitim. Ubitim tout en rouge, Obsession en rouge et blanc. Et c'est Ubitim avec le ballon en début de match. Forzi pour Kalash. Kalash pour Kalemage. Forzi encore. Portos 9. Il a trouvé Calmo Ito. Et l'ouverture du score pour Ubitim. 1-0, 3 buts, 1 passe en 8 matchs pour Calmo Ito, l'attaquant d'Ubitim. Est-ce qu'Obsession va réussir sur l'engagement à revenir à la marque? Saitama pour Ops Ronaldo qui va regarder en retrait pour Pastore. La reprise de Firmino. Deux buts, une passe pour Firmino. 9, le transfuge de Thunderhawk. Superbe but, reprise acrobatique de Firmino. Un but partout, 30e minute. Et Ubitim qui repart à l'attaque avec Kalash sur le côté pour Crespo, l'amorti poitrine, l'amorti poitrail même de Portos qui conserve la boulette, le centre en retrait et la frappe repoussée sur Portos, justement son 6e but en 12 matchs pour l'attaquant gauche d'Ubitim, 2 buts 1 pour les Rouges. Allez, Forzi, toujours pour Ubitim, la contre-attaque, ça peut aller très très vite, il y a un 3 contre 4, mais Kevin GDS a récupéré ce ballon. Le ballon qui revient pour Firmino, le transfuge. Et le ballon dégagé proprement avec Crespo. Portos complètement là-bas de l'autre côté. Attention, ballon perdu et récupéré par Obsession avec Firmino. Pastore, il a vu dans le trou. Baroudi, la frappe et elle est rentrée. Frappe puissante de R. Baroudi, transfuge lui aussi. Mais de Lyon, la Duchère, 5e but et 2 passes. Le ballon est bien rentré. Et 2 buts partout. Le ballon qui est récupéré par Baroudi. Le double contact de Baroudi. Le ballon pour N'Golo. La frappe de Firmino. 3 buts à 2 pour Obsession Gaming. Dans un match fou. 84e minute, Portos, Forzi, Portos encore, il a vu le déboulé sur la droite de Flag. Calémage
Forzical Morito pour la frappe de Crespo. Lunette pour le capitaine du B-Team. Son second but en 12 matchs. Il a nettoyé la lunette. Et nous en resterons là. Eh bien non, peut-être pas. Parce qu'il y a une dernière attaque. Eh bien non. 3 buts partout, elles se quittent dos à dos, ces deux équipes. Victoire de Best ou 3-0 contre Restart. Victoire des anciens contre Osmos Wanted. Victoire 1-0 de SNMI Foot. 1-0 pour Sampo contre Team Team. La Peste qui cartonne la Orcs. FC Nyx qui perd contre Poyo. C'est enfin match nul entre Invictus et XCIV eSport. Conférence Emerald. Journée 11 entre une équipe en plein doute. Oz Most Wanted face aux Belges de Bestou. Et Most Wanted en maillot Grenat qui va ouvrir le score par le grand Cal, le Dinkal. Quatrième but et deux passes en 12 matchs pour Dinkal pour Most Wanted. Et juste avant la mi-temps, ça fait mal aux joueurs de Bestou. On va pouvoir se dégager avec Monstro. Allez, ballon perdu, garde la pêche qui la récupère, Mouj pour Ben. Le petit coup de tête de l'F7, septième but en 10 titularisations pour Valentino. 7 buts et 6 passes, il fait partie des hommes en forme de ce début de saison. 54e minute et Most Wanted à la baguette. Ce ballon est superbe pour Sly pour... L'attaquant s'est raté le super arrêt du gardien de Bestou. Je crois que c'était au Black. Et on repart. Garde la pêche. L'F7. Il a vu encore garde la pêche, mais il va la garder un petit peu. La redonner à son copain. Mouj. Pour Evan. De nouveau Mouj. L'F7 au deuxième poteau. On va pouvoir mettre une magnifique reprise. MKLZ. Deuxième but en 10 matchs. Lui aussi pour le Belge. Et 6 passes décisives en 10 titularisation pour MKLZ, l'ancien de We Will Rock You. Ça fait 2-1 à la 85e pour Bestou et peut-être le troisième, Mouj. La frappe et le bel arrêt de Petros. On va tout donner pour Most Wanted, mais l'arbitre ne laissera pas de temps supplémentaire. La victoire donc 2 buts à 1 de Bestou. 1-0 pour SNMU Foot contre la Restart. 1 partout entre Ubitim et les anciens. Sam Crow 3-0 contre la Neox. La Peste qui perd encore des points contre Obsession Gaming. Team Team qui bat Conférence FCNX 3-0. Et enfin, la douzième journée avec Sam Crow face à Restart. Restart en jaune, Sam Crow en noir. Et 0-0 à la mi-temps. Restart qui tente de se dégager, mais le gros pressing de Mika, 99. Ballon récupéré par les jaunes avec Kira. Seinara. Loli côté gauche, il va faire jouer son physique et c'est Principe qui vient l'aider. On va gagner un coup franc pour la Restart. 50e minute de jeu. Et action intéressante pour les hommes de Fred Dahl. Ouais, défense assez haute. Les joueurs de Samcro va trouver au point de pénalty. Kira 93, son troisième but. Et Aristart qui est toujours à la recherche de sa première victoire en championnat. Là est en train de frapper un gros coup face à Samcro. Mais Samcro n'a pas dit son dernier mot avec Elka qui sonne la charge. Anna, de nouveau pour Elka. Ça combine bien. On voit en retrait Soulja pour Lucas. Et oh, et on va gagner un pénalty. On va obtenir un pénalty sur cette frappe de Lucas qui a été bousculé apparemment. C'est Ilano qui va s'en charger. Oh, et le pénalty est raté. Arrêté par le gardien et finalement repoussé dans les pieds du Belge. 14e but en 12 matchs pour Ilano. C'est le deuxième meilleur buteur de l'EFL. Classement dominé par deux Belges, Twitz et Ilano. 70e minute, Principe qui va obtenir le contre-favorable, mais on tente de se dégager chez Sam Crow. Ballon récupéré encore par Fred Dahl. Kira. Ouais, ça va donner un corner. Ballon va être dégagé par Kills.
Et on en restera là. Un partout donc entre Restart et Sam Crow. Bestou qui bat SNM 2-1. Ubiti Most Wanted, pardon, 0-0. 0-0 entre la Peste également. On perd des points. Et voici donc le classement au bout de 12 journées. Les 6 premiers avec Sam Crow, la Peste. Bestou, les anciens, ils sont 3 à 25 points. SNM Foot à 22 points. XIV Sport à 19 points. Voici pour le moment les 6 équipes qualifiées pour les playoffs. Voici le bottom 10 avec Obsession Gaming qui pousse Most Wanted qui est sorti du top 6, Ubiti, Invictus et Poyos à 16 points qui se tiennent et enfin tout en bas du classement. A noter quand même la première victoire de la Neox et FCX qui fait du surplace, un point seulement pris en 12 matchs. EFA Auto.